Exercice numéro 1. Cochez la case correspondant à la réponse correcte. A. Une masse se mesure avec une éprouvette graduée, une balance, un masse-mètre. B. Un volume précis peut être mesuré avec un volume mètre un bécher une éprouvette graduée réponse a une masse se mesure avec une balance b un volume précis peut être mesuré avec une éprouvette graduée exercice numéro 2. convertis chacun des volumes et capacités demandées 72 douze décimètres égale combien de centimètres cubes 0,5 litres égale combien de décimètres cubes? 20 millilitres égale combien de centimètres cubes? 1650 millilitres égale combien de litres? 14 hectolètres égale combien de mètres cubes? 0,5 centilitres égale combien de centimètres cubes 47,8 décimètres cubes égale combien de décilitres? 32 décilètres égale combien de litres 10 mètres cubes égale combien de litres 20 millilitres

centimètres cubes. Exercice numéro 3. Comparez les deux volumes suivants. V1 égale 0,0024 m cubes et V2 égale 1200 centimètres. Quel est le plus grand et combien de fois est-il plus grand? Réponse. On sait que un mètre cube égale 1000 litres. Alors V1 égale 0,00224 fois 1000 litres égale 2,4 litres. On sait que, aussi que 1 centilitre égale 0,01 litre. Donc, V2 égale 1200 centilitres égale 1200 fois 0,01 1 égale 12 litres. Par conséquent, V2 est plus grand que V1. Pour calculer le nombre de fois, il faut calculer le rapport du grand volume sur le petit volume. Donc, V2 sur V1 égale 12 litres sur 2,4 égale 5. Et finalement, V2 égale 5 fois plus grand que V1. Exercice numéro 4. Pour mesurer le volume d'une bille, Iman a mis un liquide dans une Éprouvette graduée en millilitres. Elle introduit ensuite trois billes identiques dans l'éprouvette et mesure le volume total. Comme le montre la figure ci-contre, si quel est le volume de chaque bille? Réponse. Le volume du liquide est mesuré par l'éprouvette graduée V liquide égale 30 ml. Le volume total est la somme du volume du liquide et aussi le volume des trois billes. Soit donc V total égale V liquide. V3 billes avec V total égale 45 ml alors V3 billes égale V total moins V liquide exercice numéro 5 Quelle est la masse du solide Réponse. La masse du solide est M égale 100 g plus 20 g plus 10 g égale 130 g. Exercice numéro 6. Les objets flottant sur l'eau sont ceux pour lesquels la masse volumique est inférieure à 1 g sur cm cube. Complète le tableau ci-dessous et indique quel objet flotte sur l'eau. Matériaux fer, liège, sapin, diamant, acajou. La masse en grammes du fer est 39. Du liège, 48. Le sapin, 45. Le diamant, 1,51. Le acajou, 280. Le volume par millilitre du fer est 50. Du liège, 200. Le sapin, 100. Le diamant, 0. Et le acajou 200 millilitres. La réponse. La masse volumique est P égale M sur V. Donc, la masse volumique du fer est égale 393 sur 50

0,43 égale 3,5. Le acajou 280 sur 400 égale 0,7. Le liège, le sapin et le acajou flottent sur l'eau car ils ont une masse volumique inférieure. À celle de l'eau. 1 g sur millilètre. Exercice numéro 7. On place sur une balance électronique une éprouvette graduée vide. On verse une quantité d'huile. Figure 1 et 2. 1. Calculez la masse d'huile. 2. Calculez le volume d'huile dans l'éprouvette graduée. 3. Calculez la masse volumique de l'huile. 4. L'huile est-elle plus lourde ou plus légère que l'eau Justifié. Réponse. La masse d'huile, 92,4 vingt grammes moins cinquante grammes égale trente grammes. Le volume d'huile dans l'éprouvette graduée, V égale 45 cinq millilitres.

Exercice numéro 8. Un objet en aluminium a pour masse 700 g. Quel est son volume Avec P égale 2,7 g sur centimètre cube pour l'aluminium. Réponse. La masse volumique P égale M sur V et V égale M sur P. Alors V égale 700 cents grammes sur deux virgule sept grammes sur centimètre cube égale deux cent 259 cm3. السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والإشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله